Donc ici on est au nord du Strip. Donc on a la tour Trump en forme de lingot d'or. Elle a la caractéristique de la tour Trump de ne pas avoir de casino. C'est le seul hôtel qui n'a pas de casino sur le nouveau Strip. Pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas eu l'agrément auprès du comité des jeux de Las Vegas, qui sont toujours détenus 50% par des mormons et 50% par des juifs. Vous avez ensuite le Fashion Show, qui est l'un des plus grands malls, c'est-à-dire de centre commercial du Strip de Las Vegas. Je vous conseille l'été, si vous avez bien chaud, de vous rendre au cœur, et vous avez des aguas mexicaines qui sont à vendre hyper fraîches. Vous avez ensuite derrière le nouvel hôtel, le tout nouveau, dont je vous parlais. Alors au départ, ça devait être sur le thème de la Chine, et il s'appelait le World Resort. Maintenant qu'il a changé cette fois de propriétaire, on ne sait pas comment il s'appelle. Donc là, on va basculer de l'autre côté, et on se dirige vers le Wynn et le Encore. Donc là, on arrive au Fashion Show, et on va donc traverser l'autre côté pour arriver sur le Wynn et le Encore. Donc nous voilà sur la passerelle du Wynn et du Encore. Alors le Encore, il n'y a pas excessivement grand chose à voir. Le Wynn, on va rentrer dedans. Ils font partie du top 3 de nos hôtels préférés. Donc là on se dirige sur l'entrée du Wynn, avec ici à droite un spectacle de fontaine et ici à gauche. Des cascades du Wynn.